Oui, merci, M. le maire. Je souhaitais distinguer les deux interventions puisque les votes ne sont pas identiques. Monsieur le maire, chers collègues, les six tranches du quotient familial municipal ont été fixées en septembre 2011, je crois, et elles sont utilisées depuis janvier 2012 pour calculer les tarifs applicables aux services facultatifs de restauration scolaire des mercredis de Lyon et des vendredis après-midi. Il est ici proposé de border l'ancienne tranche supérieure à 2100 euros et de créer une nouvelle tranche au-dessus de 2100 euros pour que ce soit un peu plus concret d'après les chiffres fournis avec le compte rendu de la commission. Ce quotient de 2100 est atteint pour un couple avec un enfant avec un revenu fiscal mensuel de l'ordre de 4300 euros et pour un parent isolé de 5380 euros. Créer une nouvelle tranche portant à 7 leur nombre ne pose pas problème en soi. Certaines communes n'en ont pas, comme Marseille et Nice, d'autres en ont beaucoup plus, comme Toulouse, Bordeaux et Lille. Par contre, alors qu'il y a une seule référence pour les services facultatifs dans le domaine scolaire, entre guillemets, il y aura à compter de janvier 2018 7 tranches pour la restauration scolaire, mais 6 pour le périscolaire. Alors, c'est ce qui a été déclaré, affirmé, lors de la commission éducation. Donc il n'y a pas de nouveau calcul des quotients familiaux pour les mairies et les VAM, du moins jusqu'à la rentrée scolaire 2018-2019. Qu'en sera-t-il ailleurs? J'espère que nous résisterons à la tentation sans cesse renouvelée d'augmenter les recettes. Et cette délibération, M. le maire, est l'occasion d'attirer l'attention sur une difficulté rencontrée par les parents séparés à l'égard d'alternés pour une facturation. C'est un sujet sur lequel j'avais déjà été amené à solliciter la ville de Lyon. Serait-il possible que l'on regarde cette question? Il y a, je crois, un conseiller au droit et peut-être voir les difficultés qui sont reposées à un certain nombre de parents avec une proposition de solution. Je vous remercie, nous voterons pour cette délibération sur le nombre de quotients familiaux.